Vous êtes marié. Vous devez montrer votre amour partout. Oui. Hein? Vous devez montrer votre amour partout. Moi, là, moi, j'ai 17 ans de mariage. Hein? Mais c'est comme si c'est hier qu'on s'est marié. Hein? Donc, vous devez montrer votre amour partout. Quand vous êtes à l'extérieur, peu importe là où vous êtes, tu vois ton mari, fais-lui un bisou. Oui. Prends la main de ta femme et vous êtes à l'extérieur, vous marchez, prends sa main. Hein? Il faut prendre ta femme par la hanche. Tu la prends par la hanche. Tiens ton mari comme ça. Hein? Tout le monde doit être au courant que vous êtes amoureux, que vous êtes ensemble. Ces gestes-là, c'est des gestes qui sont vraiment capitaux dans votre couple. Il ne faut pas rester, il ne faut pas entrer dans la routine, on se connaît depuis longtemps. Non, 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 pas du tout. Moi, en tout cas, je tiens mon mari hein, à fond. Hein. Alors que ça fait 17 ans qu'on est mariés. On va faire 17 ans d'ici au mois de mars. Et le mois de mars, ça sera 17 ans de mariage. Mais je les prends, il me prend aussi. Même devant les enfants, on se fait des bisous devant les enfants. Tous les enfants savent que nous sommes amoureux. Donc, toi aussi, tous les enfants doivent savoir que toi et ton mari, vous êtes amoureux. C'est très important. Vous allez voir, les gens, quand tu étais marié, par exemple, et ton mari, c'était un noir. Quand c'était un noir, tu ne le tenais jamais par la main. Quand c'était un noir, tu ne lui faisais jamais la bise. Mais une fois que tu es marié, si vous avez divorcé, une fois que tu es marié à un blanc ou à une autre personne, là, ça devient l'histoire d'amour. Tu commences à lui faire la bise, à faire des gestes d'amour. Non, non, cher couple. Qu'on soit blanc ou noir, nous devons continuer à garder les gestes d'amour. Oui, n'oubliez pas, il faut garder ces gestes d'amour qui sont très, très importants. Le mariage n'est pas acquis. Il faut toujours, c'est une école. C'est une école là où on étudie tous les jours. Oui. Continuez avec les bisous. Que vous ayez même 50 ans de mariage, quand vous allez avoir 50 ans de mariage, faites des bisous. Tenez-vous la main. Tenez-vous par les hanches. Partout. Appelez-vous mon amour. Appelez-vous ma chérie. Appelez-vous mon bébé. Appelez-vous comme vous le souhaitez. Mais il ne faut pas que vous puissiez gâcher votre mariage. Prendre des choses comme acquis. Devenir comme si l'autre, bon, l'autre, c'est rien. Non, pas du tout. Il est important pour toi. Elle est importante pour toi. Donc, continue avec ces gestes-là. Ne lâche rien. C'est toi qui dois montrer aux autres que ton homme est très important. Hein? C'est à toi de le faire, que ta femme est très importante. Ce n'est pas aux autres, c'est toi. Si tu les respectes, si tu l'aimes, moi aussi je vais les respecter et je vais aimer votre couple. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis abonne-toi. Bisous.